Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Jeffrey. Jeffrey, j'espère que tu vas bien. Salut, ça va et toi? Je vais très bien, merci. Comment ça va? Ça va. Écoute, hein. Ravi d'être ici. Merci en tout cas d'être venu. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle Jeffrey, j'ai 32 ans, je suis ghostwriter. Je me suis lancé il n'y a pas longtemps après avoir créé du contenu pendant 2 ans sur Twitter. Honnêtement, j'ai essayé un peu de tout, l'e-com, infoprenariat. Et voilà, je me suis fixé sur le ghostwriting parce que la création de contenu, c'était vraiment ma zone de génie, entre guillemets. Donc voilà. Et donc là, actuellement, c'est vraiment ton activité principale? Oui, c'est mon activité principale, je fais rien d'autre à côté. Et ça te prend combien de temps par jour pour créer du contenu pour d'autres personnes? Alors là, en vrai, je fais que ça parce que je crée du contenu pour d'autres personnes et je crée du contenu pour moi. Donc, en gros, ma journée, c'est créer du contenu. Après, t'as de l'opérationnel et il faut aussi que je trouve d'autres clients et t'as un peu de choses comme ça, mais en gros, c'est ça. Généralement, je le fais le matin, un bon 4-6 heures, et ensuite, je passe sur des activités un peu plus opérationnelles. Et là, actuellement, tu fais de l'inbound ou bien tu fais de la prospection? Là, plus sur de l'inbound, mais je m'essaye à la prospection un peu. Enfin, en vrai, je fais vraiment des deux. Je pense que là, j'ai commencé, je me suis lancé il y a un mois à peu près. Donc, je pense vraiment qu'au début, faut prospecter, faut aller chercher les clients, même si bon, les gens me connaissent déjà un peu sur Twitter, sans prétention. mais toujours au début, faut prospecter, à mon avis. Et comment est-ce que tu t'es dit que tu vas te lancer sur cette nouvelle opportunité? Ah, j'en avais marre d'être pauvre, hein. On va pas se mentir, j'en avais marre d'être pauvre. C'est vrai qu'en ce moment, on entend parler partout de ghostwriting. C'est un peu l'heure du moment. Il s'avère que je suis pas trop mal là-dedans, donc autant en profiter. Ok, là, on va dire que tu t'es lancé dans le ghost. Quelles sont les choses que tu mets en place pour créer du contenu pour d'autres personnes? Le plus chaud, c'est de reprendre la voix de la personne, de reprendre sa façon de s'exprimer, d'écrire et tout. Ça, c'est le plus chaud. Donc, quand tu pars de zéro, que la personne n'a pas créé de contenu avant ou quoi, c'est compliqué. Faut vraiment passer du temps avec elle pour voir comment elle s'exprime et tout. Sinon, si la personne a créé du contenu, c'est beaucoup plus facile. Mais tant que tu reprends les mêmes idées, les gens voient pas la différence. Okay. Et je crois que je suis pas sûr d'avoir répondu à la question. Mais je crois que le plus chaud, c'est ça. D'abord vraiment, oui, c'est bon, je me souviens de la question. D'abord vraiment prendre la voix de la personne. Mais ensuite, vraiment la création de contenu, c'est reprendre des choses qui ont déjà fonctionné. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'analyse de ce qui se fait, de ce qui marche, et ensuite le reprendre et le remettre à la sauce. Et comment est-ce que tu as validé le ghost sur le marché? Tu t'es dit qu'il y avait une réelle demande derrière, ou bien tu t'es juste dit, ok, c'est bon, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui font ça, je vais le faire aussi. Non, je regardais ce que faisait Albin. Je sais pas si tu vois Albin. Il est fort. Et en fait, il y a un an,
Il y a un an, il m'avait dit, ouais, vas-y, viens, viens, lance-toi et tout. Je dis, non, vas-y, j'ai pas envie de faire ça. Et vas-y, il m'a matrixé à force. Donc c'est vraiment grâce à lui que tu t'es vraiment lancé dans ça actuellement. Ah, on va dire qu'il a joué. Il a joué parce que, en vrai, ça doit faire bien 2 ans que je sais que ça se passe. Je voyais sur le marché américain tout ça. Mais en France, c'était pas encore développé. Donc, enfin, pas que c'était pas encore développé, mais personne n'en parlait du coup. Donc, pour moi, c'était pas quelque chose qui existait vraiment. Et là, tu penses vraiment que c'est. Est-ce qu'on peut prendre ça comme, comment dire, comme un réel métier ou bien juste quelque chose de passagère? Non, je pense que c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Parce que derrière, il n'y a pas que vraiment, il n'y a pas que écrire, il y a aussi créer des stratégies de contenu. C'est pas que ouvrir ton Google Doc et écrire. Il y a d'autres choses qui se passent derrière. Ah, tu te prends vraiment comme si tu étais la personne qui était derrière le compte. Ça, tu sais ce qu'elle mange, tu sais ce qu'elle boit, tu sais ce qu'elle vit, tu sais elle va dormir à quelle heure. En fait, tu t'imprègnes vraiment de ce qu'elle fait tous les jours pour pouvoir vraiment rentrer dans le personnage et ensuite pouvoir écrire de la même manière qu'elle. Plus de ses idées, plus des idées et de son histoire aussi. Son histoire, ses idées, ce qu'il faut pas dire. Faut vraiment que ça sonne comme la personne. Je pense que c'est ça le plus important. Et là actuellement, on va dire que c'est vraiment le début pour toi. Est-ce que tu as assez de clients pour pouvoir en vivre ou bien tu es encore en phase d'évolution? Non, je suis en phase d'évolution, moi. Je suis vraiment en phase d'évolution. Là, je prospecte à mort tous les jours. Là, j'ai un client. J'ai un client, il m'en faudrait encore deux, honnêtement, pour pouvoir bien en vivre, être tranquille et pas passer mon temps à faire que ça, tu vois. Et quelles seraient les erreurs à éviter pour pouvoir décrocher son premier client, pour les personnes qui aimeraient se lancer dans le ghost? En vrai, ça va dépendre de ta situation et de comment dire, ton expérience. Si tu es tout nouveau, par exemple, il y a plein de ghostwriters qui ont 500 abonnés, 100 abonnés parfois. Faut d'abord prouver que toi, tu sais monter ton compte, que tu sais faire quelque chose avec ton compte. Parce que les gens, ils vont pas te prendre au sérieux après. Et c'est ce qui est en train de se passer là sur Twitter. Il y a une vague de trucs comme ça. Et moi, je comprends. Tu vois, c'est comme un coach sportif. Tu vas pas prendre le coach sportif qui est gros. Et tu vois, si ton coach sportif, il est gros, c'est bizarre. De ouf. Bah, c'est la même chose. C'est la même chose. Ah, c'est vrai que ce genre de petit compte, ça me fait rire un petit peu. Genre, Ouais, tu vois, c'est. les personnes qui écrivent dans leur bio copywriter ou bien ghostwriter et qui n'ont que 20 abonnés après un mois. Voilà, Ouais, c'est. en fait, c'est pas cohérent. Même si ça veut rien dire par rapport à tes compétences. Mais aux yeux des gens, enfin, c'est pas Ouais, cohérent. c'est vraiment pas logique parce que justement, toi, le but, c'est vraiment d'augmenter l'audience de la personne. Mais si tu n'arrives pas à augmenter déjà ta propre audience par rapport à ce que tu fais, le client, enfin, le potentiel prospect va être réticent. Il va dire, OK, mais est-ce qu'il y a vraiment m'apporter des résultats alors que ces trades ne prennent pas, il a pas énormément d'abonnés. Voilà, il y a tout ça qui joue aussi. Et en plus, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Le but, c'est même pas d'augmenter l'audience, c'est d'augmenter les ventes faut que la personne génère du chiffre. Donc, personnellement, moi, je me concentre sur ça, tu vois. On sait que si tu as un compte à 100 abonnés, personne qui réagit, tout ça, t'as rien fait. T'as rien fait. Bah, après, ça dépend parce que imaginons que tu démarres de zéro, un compte vraiment à zéro abonné,
et que tu le montes à 100 abonnés, bah, ces 100 abonnés-là sont des potentiels prospects. Et dans ces 100 abonnés-là, tu as quand même quelques personnes qui vont quand même venir en DM pour prendre justement tes services. Et ça peut être pour n'importe quoi. Par exemple, si tu es ghostwriter pour un media buyer et que tu montes à 200-300 abonnés, dans les 300 abonnés, tu as souvent des gens qui seront intéressés par être, genre, comment dire, pour que tu sois le media buyer de son agence, par exemple, tu vois. Ouais, non, je me suis mal exprimé, si tu veux. En fait, les gars qui ont... Enfin, tu vois très bien si une personne il a des clients ou pas, en fait. Enfin, moi, personnellement, j'arrive à le voir. Et ça se voit dans le contenu. Généralement, c'est des banalités. Genre des généralités, des trucs que tout le monde peut sortir. T'as pas d'expérience. Oui, j'ai fait ça pour un tel. J'ai eu ces résultats-là pour un tel. Et c'est surtout des conseils. Moi, je faisais ça avant. Je faisais ça, j'avais pas d'activité, je faisais ça. Je donnais des conseils. Oui, faites ça, faites tant de commentaires, faites tant de machin. Et ça, c'est banal. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le sortir. Mais par contre, pour montrer que tu as aidé un client, que voilà, que tu as généré tant de leads, etc., ça, c'est pas tout le monde. Et là, actuellement, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir scaler à un autre niveau? Alors là, franchement, j'ai pas réfléchi encore. Je vais pas te mentir. Il y a forcément, il y a l'agence qui me trotte dans la tête, mais bon, j'y suis pas encore. Donc, je suis un mec qui se lance et qui voit après, généralement. Donc, quand j'y serai, je verrai à ce moment-là. Donc là, actuellement, tu te vois plus comme un freelance plutôt que le mode de l'agence. Ouais, pour l'instant, je suis vraiment, voilà, tout seul, one man business, et voilà, je gère tout de A à Z tout seul. Et pour l'instant, c'est comme ça. Mais si vraiment ça doit exploser, oui, je pense que je réfléchirai à passer en agence, même former des gars, à écrire aussi. C'est des trucs que, tu vois, j'ai déjà aidé des gens à développer leur communauté, donc former des gens à écrire, ça doit revenir au même au final. Et c'est quoi la suite pour toi pour ce projet? La suite, c'est trouver des clients. C'est trouver déjà assez de clients pour vivre correctement, rapidement. Et ensuite, leur apporter des résultats, montrer mes résultats. Et voilà. Donc, et ton ambition pour la prochaine année, voire les 5 prochaines années, c'est quoi? Oula, compliqué cette question. Franchement, je t'ai dit, j'ai des objectifs voilà, à court et à moyen terme. Je pas vraiment sur du très long terme. Moi, j'en parle pas parce que j'ai peur de l'œil et tout ça. T'inquiète, je comprends. Mais ils sont, voilà, en gros, c'est d'être bien avant 2024. Donc là, tu ferais vraiment un focus sur ce que tu fais actuellement pour ensuite pouvoir en vivre pleinement. Ouais, là, c'est focus total. Focus total. Puis après, on verra pour. De toute façon, si ça enfin, c'est pas si ça marche pas, il y a toujours un plan B, tu vois. Il y a toujours d'autres choses à faire. Ouais. Mais là, tu passes, on va dire vraiment toute ta journée sur ça. Si tu veux, vraiment, je passe vraiment la matinée. La matinée, je fais un peu de sport aussi. Après, je lis beaucoup. La journée, enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais la création de contenu, oui, c'est une grande partie de ma journée. Okay. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur le réseau? Sur Twitter, bientôt sur LinkedIn peut-être, mais Twitter, Jeffrey,
@JE2F Ah, de toute façon, je le mettrai en description. Et ah oui, juste aussi pour te dire que d'ici 6 mois, on fera un autre podcast pour Ouais. voir ton évolution et pour voir si tu en vis vraiment pleinement maintenant, d'ici là. Ok, vas-y. Ça va? Ça Bah, se trouve, d'ici 6 mois, dans 6 mois, je serai sous les ponts. J'aurai plus Twitter. non, t'inquiète. Non, je rigole. En tout cas, merci à toi pour aujourd'hui et Merci à toi. on reste en contact. Hein. Vas-y, ça marche. Ah, merci à toi, Jeff. À très bientôt. Merci. Salut. Salut. Du coup, voilà, les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur les réseaux et aussi à suivre Jeff sur son Twitter que je mettrai en description. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.